là presque le concert de Gagna. Je m'excuse du plus profond de mon être et du plus profond de mon âme, je m'excuse. C'était indépendant de ma volonté. Vous-même qui étiez au concert, vous avez vu, c'était un souci technique. Mais bon, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut pousser la réflexion un peu plus loin. La jeunesse guinéenne a prouvé à suffisance qu'elle est débrouillarde et qu'elle est à la hauteur de sa débrouillardise. Mais il faut l'accompagner, il faut la soutenir, il faut la soutenir. Permettez aux jeunes guinéens d'exprimer leur amour sincère à d'autres jeunes guinéens, tu vois, de la manière la plus claire et de la manière la plus visible et la plus lisible possible. Il faut que les autorités accompagnent les investisseurs, les gens qui investissent sur le local. Aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à des promoteurs, c'est-à-dire d'avoir eu des soucis techniques. Il faut que les autorités soient à la hauteur de ça. Il faut accompagner la jeunesse guinéenne qui est en train d'investir sur la jeunesse guinéenne. Mamou, je m'excuse vraiment pour la dérive, je m'excuse pour le débordement qu'il y a eu. C'était indépendant de ma volonté. C'était important pour moi de faire cette vidéo pour que les gens ils comprennent qu'on ne peut pas prendre de grandes choses et vouloir en faire de petites choses. C'est impossible. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, elle est grande. Elle est grande, que ce soit culturellement, que ce soit sportivement. Elle est grande. Nous avons des grands artistes, nous avons des grands sportifs. Il faut vous mettre dans l'option de les respecter parce que le public les respecte. Permettez au public guinéen de l'intérieur d'exprimer authentiquement leur amour aux artistes et aux sportifs que nous sommes. Dotez nos villes de logistique digne de son nom. Les investisseurs culturels, ce sont des personnes qui prennent de leur poche et qui le font. Oui, il y a des dérives. Oui, parfois, il peut y avoir des extras, des manquements professionnels et tout. Mais si on ne les accompagne pas, ils ne s'en sortiront pas. Accompagner la jeunesse guinéenne, elle a prouvé à suffisance qu'elle est débrouillarde, qu'elle est grande, qu'elle est forte et qu'elle est intellectuelle et qu'elle est digne de son nom. Accompagnez-les, accompagnez vos artistes, accompagnez vos promoteurs, accompagnez vos sportifs, accompagnez les jeunes guinéens qui se débrouillent. C'était mon message à l'autorité. C'est pas une attaque, c'est juste un appel à l'aide. Des grandes villes comme Kindia, des grandes villes comme Mamou, des grandes villes comme Labé, comme Kankan, comme Sigirine, comme Zérékoré, ne peuvent pas être là et puis que pour faire un spectacle de Gianni Alpha, il faut colmater du son, ou il faut colmater de la lumière, ou il faut
se débrouiller à avoir des groupes. Il faut que la logistique vienne de Conakry. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est mon opinion à moi. C'est mon opinion à moi. En interne, après, au niveau de nous, jeunes Guinéens, on va se parler pour savoir comment on va s'améliorer. Mais il faut que les autorités comprennent qu'il faut qu'elles accompagnent la jeunesse guinéenne. Parce qu'elle a prouvé à suffisance qu'elle a dépassé le stade de la débrouillardise, qu'elle est digne. Qu'elle est digne. Permettez aux jeunes Guinéens d'exprimer leur amour à d'autres jeunes Guinéens. C'est très important. C'est très important. Mamou, on s'excuse. Je pense que les autorités en place, avec les organisateurs de la place, sont en train de voir comment on va artistiquement s'excuser auprès de vous, qui vous êtes déplacés par milliers pour nous accueillir à 20 km de la ville, qui vous êtes déplacés par milliers pour venir au concert de ce soir parce que vous aviez envie de voir votre frère, votre ami, votre fils, Gianni Alpha, dans l'expression de son art. Avec les organisateurs et les autorités de la place, je pense qu'ils sont déjà en train de discuter pour voir dans quelle mesure on pourra s'excuser. Donc, le rendez-vous n'est pas gâté, il n'est que remis. On est ensemble. Bang, bang, chef rebelle, because we need peace. Hi.